Bonjour, je m'appelle Benoît, j'ai 17 ans, je suis en première bac pro à l'IREO et donc j'ai voulu effectuer des stages en port. Et donc la démarche que j'ai suivie, c'est que j'ai appelé un commercial de Prestore, Rémi Thépeau, qui m'a conseillé 2-3 élevages du secteur géographique, car j'ai pas de véhicule pour l'instant pour me déplacer. Et donc par la suite, j'ai contacté Laurent. Je m'appelle Laurent Abervé-Guéguin, je suis installé en production porcine depuis 10 ans, depuis 2003. J'ai accueilli Benoît en tant que stagiaire en formation à l'IREO. Au départ, en arrivant ici en stage, les premières semaines, il y aura beaucoup d'observations. Et ensuite, par la suite, on commence à réaliser les tâches avec les salariés. Et une fois que les salariés et le maître de stage pensent qu'on a acquis ce qu'on a appris auparavant, on nous laisse un peu plus d'autonomie. On ne fait pas que de l'élevage, mais qu'on fait un peu tous les métiers. Comme on fait de l'électricité, de la plomberie, on fait un peu de tout en fait. On parle beaucoup de sanitaire, un peu. Il faut beaucoup de rigueur au niveau du suivi, de la surveillance, de la notation de tout ce qu'on fait, de toutes les interventions. Grâce à la G3T et donc à l'analyse des résultats, ça nous permet d'améliorer la rentabilité de l'élevage et d'avoir un lien direct entre l'action du stagiaire ou des salariés ou moi-même sur les résultats. Mes projets, pour l'instant, c'est d'avoir mon bac pro, ensuite d'essayer de faire un BTS, AXE, et essayer de m'installer après avoir fait 4-5 ans de salariat. Si je trouve pas de stage pour les futurs, comme j'avais pas trouvé pour venir chez Laurent, je prends encore appel à Prestore, vu qu'ils ont un réseau assez grand d'éleveurs. Le fait que les maîtres de stage que les éleveurs reçoivent des stagiaires permettra de mieux transmettre leur élevage ou de trouver peut-être parmi toute cette population un futur repreneur, quoi. Donc c'est vrai que des stages comme celui-là, ça permet de découvrir beaucoup et d'avoir beaucoup de pratiques. Donc ça nous apporte beaucoup. Donc c'est vrai que les stages, c'est important, je pense, pour moi. Et je remercie Laurent de m'avoir pris en stage pendant ces 12 semaines.